Et salut à toutes et à tous, c'est Matt Killer et on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon. Ça faisait longtemps, hein. Ça me manquait aussi. Non. Alors, on s'était arrêté où? On était à Parmani. Ah putain, oui, c'est le... Ouais, ça va. Ah putain, mais alors attendez. Oh, on va payer 50 balles. J'ai de l'argent, moi. Je crois que j'ai dépensé pas mal. Hein. Oh, 26 000 euros. On peut se mettre de payer 50 balles. Bienvenue dans la zone Safari. 500$, tu peux capturer tous les Pokémon que tu veux. Ok. Allons-y. C'est la musique de la forêt de Jeanne, on y va. Mais oui, du coup, les Pokéballs, je les ai ou... Il n'y a pas de compteur de pas. Je n'ai pas vérifié, tu m'iras. Attendez. Non. Écoutez, je vois pas de compteur de pas et je vois que c'est un labyrinthe, donc je pense qu'on a quand même... Ah oui, les arbres... Comment ils s'appellent, les arbres de Pokémon, déjà, là, comme ça? J'ai plus leur nom, mais il y a un... Ah! Écoutez, on va capturer un Scyther. Non. J'ai vérifié au niveau des items, on est limité ou... Putain, ouais, en fait, on... Y a rien, ça, c'est des combats normaux, quoi. Qu'est-ce qui pourrait ne pas le one-shot? Bah, tout, en fait. A priori. Bah, c'était pas passé loin. Petite Super Bowl pour dire. Attendez, je suis attaqué par ma fille. Vous voyez peut-être un petit peu sa tête par ici, là. Et là? Hostie? Là? Monte ta petite tête, là. Non, tu montes pas ta tête. On voit que ton cul. Donc oui, aujourd'hui... C'est vrai que je l'ai pas dit, mais... on va quand même essayer de battre la reine. Koga. Et puis... Puis on verra. Putain, il arrête pas de s'échapper par contre. Hein. Puis on verra ce qu'on fait. Mais je vais au moins essayer de faire un peu. Déjà récupérer la dent dorée. Récupérer ses surf. Et oh, il me casse les couilles. Et puis battre Koga. Tranquillou quoi. Bah ouais, mais j'ai rien pour le. Bah tant pis, on va tuer. De toute façon, on s'était dit qu'au final, 159 Pokémon, ça risquait d'être compliqué. Donc essayons plutôt, vu que j'ai même pas... Oh, c'est vraiment un labyrinthe, c'est chier. Ah oui, bah oui, oui. Ah, t'es 9. Excellent, 9. Très bon Pokémon. De type plante. Donc là en fait j'ai zéro attaque, à part peut-être ouais, vive attaque qui peut éventuellement faire des dégâts. Oula, défense de fer. Ah, il m'a confusé. Ah non. Il a tenté la confusion, il a raté. Je tente la Pokéball, je vais la rater. Non mais je l'avais pré-shot. J'avais pré-shot ma réussite. Je vous l'ai juste pas dit là, comme ça. Là. Ah oui, c'est vrai qu'on a des petites baraques aussi. Là. Bonjour. Tu as trouvé la maison secrète. Voici la CS3. Putain. Ah bah merci, mon ref. Hein. Non, mais tu peux me lâcher la veste, s'il te plaît, merci. Pas du tout maison secrète. Hein. Après, il me manque. Je crois qu'il manque force aussi encore. Oh, des Nidorino sauvages. Ah mais en fait c'est vraiment bon, du coup on parie pas sur un Levenard, hein. Chonk, putain ça va être long. Ah la dent en or. C'est bon, on a retrouvé le dentier. Je sais pas pourquoi en français on appelait ça la dent en or alors que dentier prenait beaucoup moins de place à écrire, mais pourquoi pas. C'était moi, je... J'ai bien compris que le dentier était fait avec des dents en or en grande partie. Certainement juste un bridge.
Mais et pas un dentier complet. Mais pourquoi ils ont pas marqué dentier, tout simplement. On a bien compris qu'il était vieux et que sans ça, il pouvait pas parler. Donc moi, je me dis, ils auraient pu. Il y a d'autres trucs là que j'ai pas vu ou... Ah oui, ici, il y a une Pokéball là-bas. Attendez, mais il y a... Non mais. Et vu comme le jeu nous récompense plus depuis qu'on est parti de Bourg-Palette, je vais quand même essayer de pas me faire douiller sur des Pokéballs qui traînent, quoi. On va essayer de la récupérer, un minimum. Attends, je pense qu'on cherche là-haut, j'en reviens. Il y a une petite maison à gauche aussi, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Mais c'est des fausses pistes? Ils auraient fait des fausses pistes, là? Oui. Smash. C'est vrai qu'il y a 15 niveaux d'écart quasiment, j'ai peut-être dû réfléchir à ça. Tant pis. Non mais putain, mais là c'est la forêt, mais c'est la forêt de Zelda qui est... Ouais. Link to the Past, ça. Putain, mais j'ai buté deux Pokémon que je voulais, là. Je suis déception. Une potion, bah tiens. C'est sûr qu'arrivé à Parmani, c'est une potion qui va m'être utile. C'était vachement le moment de la poser, la potion, quoi. Putain. Quel jeu, les amis. Osley, mais j'ai déjà capturé Ossature. Ossature fantôme, j'ai capturé. J'ai pas besoin de Osley. C'est difficile. Bon, écoutez. On se casse. J'ai la dent en or, c'est tout ce qui compte. Putain, je me suis dit, ça se trouve, si je repasse devant, il va pouvoir payer 500 balles, quoi. Ok, oui, le gardien est vieux, machin. Bon, alors là, on a... ce sera plus simple. Mais après, c'est du type... c'est du type poison. Je suis pas sûr que ce soit plus simple que ça. Hein. Je ne pouvais pas en comprendre... Attends. On l'a appelé Ramolos. Ah, c'est vrai que c'est Ramolos, le gardien du parc. Son petit nom. Ah ça, par contre, faire une barrière qui nous fait chier, ils ont pensé à le faire, hein, y a pas de problème. Bon, il est où, Slowpoke? C'est lui? Non. Ah, ça doit être lui. Il a une maison cosy, ça doit être lui. Merci, mon garçon. Personne ne pouvait entendre ce que je disais. Tiens, prends ceci. Bon bah j'ai eu la CS Turf et la CS Force, ma foi, c'est une bonne journée. Et du coup on est d'accord, j'ai toutes les CS maintenant, c'est bon. Ah ouais, Cut, Fly, Surf, Strength, Flash, ouais on a tout. On a tout. Après je sais pas si je peux tout utiliser. Je sais que je peux les apprendre. J'ose pas le faire parce que j'ai peur que ce soit mal paramétré et que ça s'efface. Mais j'ai pas besoin de les apprendre aux Pokémon pour les utiliser, donc c'est un avantage. C'était quoi celui-là? Ah, c'était... Si, c'était quoi celui-là? Une maison. Bon, alors on va se faire un petit swing. Et puis direction Koga. Hein. On va essayer de pas crever, quoi. Compliqué. Compliqué parce que... Koga... Koga, c'est full poison. C'est full poison et pas mal de vitesse, donc pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour le coup, que ça va faire... Il me semble que poison ça me fait des dégâts. Ce qui serait bien, c'est que lui il évolue un coup, quoi. Et toi, j'attends que tu arrives au niveau 30, je crois qu'il y en a ta 4. Hein. Moi j'ai quoi? J'ai Nidoqueen, ouais, j'ai Kadabra. Ah, ça va pas chier loin avec Kadabra, malheureusement je pense que je suis à une limite. Hein. Pas sûr de réussir à passer du premier coup, là. Peut-être faire que j'en prenne. Hein. J'espère pas. Je m'arrangerai. Ah oui, d'accord. Okay. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, d'accord, si, ils l'ont quand même fait. Ouais, en même temps, c'est pas très compliqué à faire. Je suis capable de faire... Bah, c'est Janine. On se fait attaquer par Janine. Surprise, motherfucker! Un hypnomate. Ok, bah super. Ça va pas faire beaucoup de dégâts cette histoire. Ah ouais, bah. Y'a que les dragons qui sont des dégâts de ouf. Entre eux.
Du coup, fermer les yeux, hein. Il est sur point d'évoluer, donc si on peut le faire évoluer un coup, ce serait bien. Ah bah slip, ok. Bah slip, alors pas de soucis. Le slip du reptincelle. Putain, ça caille encore aujourd'hui. Hein. T'as à peine 18 chez moi. J'ai froid. Il fait 18,1, je crois. Que ça... Au plafond, donc. Comme la température elle monte, pas 18 quoi. Yes, bah écoute, on va changer de Pokémon, c'est pas grave. Alors, ça commence bien, hein, ça commence fort, c'est bien, on est content. Putain, mais hypnose là, bordel. Et je pense que je vais partir maintenant, je vais accélérer les combats, c'est trop chiant. Qu'est-ce que je peux lui faire? Thunderbolt, ça pourrait peut-être la faire. Ah, mais Pikachu, il a 3 niveaux de moins déjà, juste sur celui-là. C'est même pas le champion d'arène. Ah, vraiment, je peux gagner, mais ça va être chaud. Hein. Je peux toujours gagner, je veux dire, j'ai gagné badge marée. J'aime bien les techniques qui empoisonnent et qui littéralement l'ex-toxique, quoi. Du coup, Janine, elle empoisonne et fait dormir. Ah bah putain, mais c'est blindé. Après, le problème, c'est que empoisonner et dormir, c'est bien, mais... Le problème, c'est que moi j'ai prévu de mettre des coups de chassé à coups de confusion. J'ai toujours voulu devenir un ninja. On n'a plus que des Janines, en fait. Mais pourquoi ils ont ça? Putain! Mais c'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire, ça. Quoi déjà comme attaque, toi? Paint attaque. Ah oui, t'as bite. Ah bah oui, bite, ça va le faire. Ah merde, mais oui, on a déjà vu les stats. Petite confusion qui va faire un peu mal, évidemment. Mais moi, j'ai bite. Et les Pokémon hautement phalliques n'aiment pas ça. Parce que c'est des masques. En sécurité. Donc. Ah oh oui, mais envoie ton hypnomade, vas-y, c'est plaisir. Non mais quitte à me faire chier, envoyez-moi. Putain, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir le micro ici, du coup j'essaie de me gratter. Et ça, je peux me gratter comme directement. J'ai plus de micro qui me fait chier. Incroyable. Et du coup, ouais, là on est sur des. On est sur des bails un peu chiants là, niveau combat. Parce que moi j'attendais des aéromythes et des trucs comme ça quoi. Donc j'avais prévu un Pokémon feu et tout, etc. Mais. Alors, je ne peux pas croire que j'ai perdu. Je vais continuer à m'entraîner sous l'égide de Koga. Comment je vous ai traduit tellement bien. Une telle traduction mériterait de me transformer en traducteur professionnel. J'ai étudié la voix du ninja. Ah bah non, là vous me cassez tout. Je ne sais plus ce que je dois faire. Bon, psy-bim, ça pourrait l'affaire. Toujours l'affaire, les attaques de type psy, ça traverse les défenses. Pas assez de défense SP dans les Pokémon de la première gen, de toute façon. Tranquillou, quoi. Ah, moins tranquillou, ça par contre. Ouais, ça c'est... Baisse de la vitesse. Des dégâts physiques. Moins tranquille. Un petit Arbok. Bah vas-y, envoie le Arbok. Bah pas de tester. Bah oh, c'est bien. Ça me semblait que c'était efficace ça. Excellent. Non, je vais pas vous la faire à chaque fois. Faut vous faire supersonique à chaque coup. Je me suis rendu compte que je le faisais à chaque putain de live en fait. À chaque putain d'enregistrement, je me suis supersonic électronique. Je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de le faire. Désolé. Mais j'aime beaucoup trop cette musique, c'est tellement le genre de musique que j'écoute pour pas penser à quoi que ce soit. Du coup, je les connais par cœur les trucs quoi. Stop right there, Commodore Scum. You're violating the law.
Un jour, peut-être, on se fera ça. En live seulement, je pense. Si on doit faire des Oblivions et trucs comme ça, ce sera que du live. Mais Oblivion. Le meilleur. Mon préféré, en tout cas. J'arrive pas à comprendre que les gens préfèrent Morrowind, surtout aujourd'hui. Morrowind a tellement vieilli. Alors que Oblivion, il a vieilli, mais il y a un moteur graphique qui est assez proche en fait de celui de Skyrim, ce qui fait que j'espérais qu'ils confusaient, mais visiblement, on va devoir recover un coup quand même. Ouf. Mais vraiment le coup de comment dire le coup des modes graphiques fait que c'est largement au-dessus d'un Skyrim, même modé. Hein. Ah quoi que psychique. Ah non, oui, psychique, on va la prendre. Oui. Oublié d'être butt là. Et puis on va prendre psychique, c'est psycho. Donc, je suis impressionné. Je t'impressionne. C'est normal. Bonjour, Baron. Ah merde, j'avais pas battu celui-là. Je pensais que j'avais déjà fait. Ah non, putain, mais non, mais vas-y, Nick. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nick. Ah, l'hypnose n'a pas marché, plutôt pour une fois. Ça fait plaisir quand ça marche pas, non. Ouais, c'est très efficace, mais comme elle est pas très, très forte, Nido Queen. Le problème c'est que c'est vraiment vraiment trop. Oui, mais confuse-moi, hein, pas de soucis. Allez, fais une attaque comme ça, je suis sur des crumbs. C'est une attaque de type ténèbres aussi. Non, mais on va le faire, mais ça va être chiant quoi. Parce que là, ils ont tous des types psy. Que viennent foutre les types psy ici? J'ai l'impression qu'il y a une inversion entre Parmani et Sapradia. Dans Sapradia, on est d'accord que c'était pas les types psy qu'il y avait en plus en face. Je crois que je m'étais fait la réflexion la dernière fois que. Putain, c'est bizarre les Pokémon que j'ai. Là, c'est exactement la chose qui se passe. Hein. Alors, à aucun moment c'est Tipsy, à chaque fois c'était des Mimitos, c'était des Aeromites, des Arbok, des Smogo, des trucs comme ça. Des Tanmor à l'arrière. Mais il n'y avait jamais de trucs comme ça. Enfin, putain, pas dans mes souvenirs en tout cas. Super. Bah écoute, c'est pas grave. Moi j'ai envie de dire. Petit Thunderbolt. Ah mais putain, mais il est tellement puissant, Kadabra. Les Pokémon les plus cheatés du jeu, quoi. Ah, mais Drozzy, bah ouais, bah Drozzy, quoi, super. Putain, mais ils ont que ça, quoi. On s'éclate, hein. Putain, puis la musique, elle est pas forte du tout, ça me tue. Un peu mal à la tête, là, en plus. Okay. Oui, bah super. Et sinon, t'as une attaque qui sert à quelque chose Non. T'as pensé peut-être mettre une attaque utile dans tes attaques? Sinon je te mets CS, hein, pas de mal. C'est CS force, CS surf. Je vais essayer d'apprendre surf un Pokémon type peu, on verra si ça marche. Et si ça se trouve ça marche sur Magmar. Hein. J'ai toujours rêvé d'apprendre surf à un Magmar dans un Pokémon pour pouvoir nager dans la putain de lave. Oh my cram, il y a pire. On va le pougner. Hop. J'ai perdu un chat dans la bataille, tu vois. Yes, je suis au slip. Ça change beaucoup, dis donc. Voilà. Putain, mais j'en ai encore un, mais bordel. Ah, je deviens fou. Le problème c'est que niveau 33 il évolue quoi, donc c'est le mec qui sombre pas juste avant. Et comme j'ai vraiment, vraiment la giga flemme de lui mettre autre chose que de... Enfin de pas lui mettre une... Oh putain, il fait chier. Et oui mais du coup lui il est confusé là. Oh mais quelle embrouille. Ouais super, c'est un état, c'est chiant.
Thunderbolt, hein. essaie de toucher quand même, ça vient. Bah non, il est en fond, c'est facile. Yes. Sinon, tu peux lui mettre une attaque un jour. Merci. Ah bah oui, mon petit smog, hein, on sait jamais. Des fois que je pourrais aussi m'empoisonner, si c'est bien. Et Nick, vas-y, putain. Bah tu sais quoi, les cadavres, et puis on va lui mettre un petit psycho dans sa tronche, ça peut être l'affaire, je sais pas. Psycho fait des petits cœurs, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, visiblement, psycho c'est des petits cœurs. Mais tu descends de quoi? Je descends... Je marche comme tout le monde, je crois. C'est ce qui donne toute cette agilité, toute cette grâce à mes acrobaties. Ouais, bah les méthodes classiques, hein, toujours frôler tous les murs. Ah mais attends, j'ai une captée. Attendez, je vais vous montrer la suite. Là. Tous les murs ont un putain de coin blanc de chaque côté et tout ce que je peux traverser n'en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le chemin... Ah mais il peut être... Ah non, il est pas court. Attends, faut que je passe par l'arrière. Donc c'est par là où j'étais. Mais ouais, en fait, c'est faisable. C'est fou. Bon, je me soigne et je reviens. Et on est de retour. Donc... On avait constaté que les murs, on les voyait. Donc on n'a pas battu celui-là encore, je vais le faire. Tant qu'à faire. Ça fait de l'XP, on prend tout l'XP qu'on peut, évidemment. Un classique. Hein. Voilà, super encore. Non mais ils vont se les coller au cul surtout. Mais c'est toujours par gaffe au micro que j'ai pu. Ça m'éclate. J'ai tellement pris l'habitude d'avoir ce micro près de la bouche quoi. Du coup tac. Là, c'est les petits cheveux qui arrêtent pas de rebiquer et du coup ça s'accroche et tout ça gratte. Très chiant. Après si vous êtes chauve, bah dites-vous au moins que vous avez pas cette sensation là quoi. C'est pas grave. Oh bah Kadabra, let's go hein. Let's go Kadabra qui va me confuser encore une fois comme d'hab. Qui va me balancer des grosses attaques de ouf, voilà super, non mais voilà. Les autres ça va être à confusion, mais lui, lui non, il a pas le temps. Puis la confusion, c'est une attaque de merde. Vas-y, fais Dragon Rage là. Ah mais Recover, bah oui, bon. Allons-y. Il a le bon niveau. Le bon niveau pour me casser les couilles, regardez-le. Calma, il m'avait garni en vitesse en attaque spéciale, ce que tu veux. Téléport, d'accord, oui, vas-y, nique mon jeu aussi, y'a pas de problème. Ah, ah, type Silum. Ah, putain, ça déconne. Je commence à préférer le moment où il utilisait Recover, voilà, c'est... Et je vais essayer de le brûler, parce que ça fera des dégâts en boucle, et puis peut-être qu'il évoluera, mon reptin un cèdre. Ou pas, parce que ce train-là, il va crever, en fait. C'est pour ça qu'on envoie Pikachu à la rescousse. Mais vraiment, mais putain, mais sérieux, mais doser un peu les attaques, la merde. Alors, à quel moment il a téléport en permanence en plus, alors qu'il a... Ah, il évolue pas. C'est 35 l'évolution de... Bon, je me re-soigne. De retour pour se faire péter la gueule, alors... Mur, 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 bon là c'est un cul-de-sac, ok. Là c'est mort. Mais je pense qu'on n'avait pas déjà vu ça... Attendez... Mur... En plus je dis mur, je fonce dedans quoi, c'est vraiment... Là... 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 Obligé de passer devant lui... Tac, on descend, hop, hop, hop. Ah bah ça y est, on y est. Ok, bon. Celui à part, je vais faire péter la gueule, donc on se regarde un peu avant quand même. Ok, je faisais vraiment très peur quand j'étais un maître ninja. Okay.
Bon, des insectes. Allez, il y en a 10. Allez, c'est bon, on prend pas de risque, on défonce tout. J'ai pas le temps de... Ah, c'est même pas suffisant. Ah, c'est chaud, putain, par contre, c'est chaud. Et là, c'est chaud, par contre. Vas-y, envoie-le. On est pas à ça près. Si t'en as 4, ça me va très bien. Niveau 46. 42, 46, 40... Quelle différence. Après tout. On se fait péter la gueule tout pareil. Yes. Ben, vas-y, envoie... Oui, ben, s'il y en a que 4 comme ça, ça me va très bien, franchement. Mais je sais que... Il n'y a pas que ça. Niveau 48. On arrive sur le niveau 50. Hein. Ça commence à puer du cul quand même. Je vais pas vous mentir. C'est soit ça passe bien, j'ai de la chance, soit ça passe et je me fais péter la gueule. Bah non, je change de Pokémon. Hein. C'est-à-dire que j'ai que ça pour me défendre là tout de suite. Donc 44, 46, 48, 50. Très bien. Du coup, il va 12 niveaux de plus. J'imagine que ça va un peu plus vite que moi, effectivement. On prend pas de risque. Hein. On prend pas de risque, on le défonce. Avec un peu de chance, enfin, coup critique en plus, donc vraiment, zéro risque. En vrai. Eh oui. C'est chaud, par contre. Le badge esprit te laisse utiliser surf en dehors des combats, bravo. Oui, lâche-moi la grappe, s'il te plaît. T'avais rien d'autre à me donner, genre même pas une petite sceptique que t'as. Ok, d'accord. Bah écoutez, on se casse. On suit bien les traces des murs sur le sol. Ça, c'est quand même pratique, ça. Au moment où ils ont fabriqué le bâtiment, ils ont pensé à marquer le sol pour les murs. Bravo, champion! Champion! Du coup, j'ai surf, ce qui veut dire que je dois aller à... J'espère que vous suivez... Ah, mais attendez, oui, j'ai gagné un badge. C'est lequel? C'est le cinquième que j'ai gagné. Hop, attention. Quick. Et voilà. Non, mais ça, c'est la marque des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça veut dire que là, on va devoir descendre un coup. Après, je vais vérifier sur la carte, parce que ça se trouve, je peux pas descendre. Mais qu'ils ont bloqué plein de trucs. Peut-être qu'il faut repasser par le bourg palette, je sais pas. Et en gros, on va. Bah non, faut qu'il y ait tourbille, donc c'est forcément au milieu de Parmanie. Moi, je sais pas. Sinon, je peux pas choper Articonin. Qu'on est censé voir depuis le pont de Céladepol. Donc. Alors, normalement, j'ai un chemin en dessous, quand même. J'ai pas fait gaffe, mais. On a récupéré ses surf, on a récupéré force. Et ça? Donc Pikachu Peur, c'est évident. Dans ce coup-là. On a pas le temps, on va pas s'amuser à tout pirater les Pokémon, là. Pourquoi je parle de piratage et de téléchargement? Et donc, ce sera pour la prochaine fois, je pense. On va faire un épisode très court aujourd'hui, mais tant pis. Ça fait du bien aussi, des épisodes courts, un peu, ça change. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu court, certes, mais fort impressionnant en stratégie et en puissance d'attaque, vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Pokémon. Et puis, avec un peu de chance, un jour on finira ce putain de jeu, mais c'est vrai que ça commence à prendre du temps là. Ça commence à être long. Mais je vous remercie. Allez, ciao tout le monde. Dun, dun, dun.